Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Deauville pour un week-end un petit peu comme la semaine dernière. On aura droit à samedi et dimanche sur l'hippodrome phare de la côte normande. On va commencer avec ce samedi, le Quintet Plus, ce sera la troisième course du programme, le prix des greniers à sel, comme vous le voyez, la troisième course de cette première réunion qui est prévue à 15h15, un handicap, on peut regarder les détails, 2000 mètres à parcourir, c'est la piste en gazon qui sera empruntée par les différents concurrents âgés de 4 ans et au-dessus. Ils sont 16 au départ, on a fait le plein de partants dans cette compétition qui s'annonce assez ouverte. J'avoue que j'ai eu du mal à faire mon choix, j'ai privilégié on va dire la forme récente avec le numéro 7, Dante, que j'ai retenu en tête de ma sélection, Dante ou Dantes, bon, je ne sais pas trop exactement son nom, mais en tout cas c'est un cheval qui vient d'effectuer une très plaisante rentrée en terminant deuxième d'un quintet plus disputé sur l'hippodrome de la Teste en battant notamment Swiss Bank qui le retrouve dans cette compétition. Déjà il était favori alors que je ne m'attendais pas forcément à le voir aussi bien courir, on va dire, parce que non seulement il faisait une rentrée, mais ses dernières sorties à ce niveau-là n'étaient pas forcément très rassurantes. Du coup, voilà, un cheval qui a sans doute eu besoin de reprendre un peu de morale, un petit peu de fraîcheur, et c'est vrai que ça lui a fait du bien d'être absent pendant plusieurs semaines, d'où un excellent retour à la compétition. Moi, je pense qu'il va encore confirmer, qu'il va monter encore en condition sur cette sortie. Il est bien placé dans les stalles de départ. Avant le coup, je vois pas ce qui pourrait l'empêcher de confirmer, d'autant qu'il sera une nouvelle fois associé à Maxime Guyon. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 6, Lockman. Alors Lockman, c'est l'entraînement de Jérôme Régnier. Jérôme Régnier, en ce moment, lorsqu'il dirige un concurrent dans les handicaps, ça se passe plutôt bien. On l'a vu remporter, notamment avec des 3 ans, pas mal de gros handicaps. Là, c'est un 4 ans, mais il a montré de la qualité. Regardez cette musique, deuxième, premier, d'ailleurs. On a une course référence où il battait Bazoc et Laos dans une course à condition du côté de Aix-les-Bains. C'est un concurrent. J'ai regardé un petit peu ses lignes. Il a également battu, je crois, Lève qui vient de faire l'arrivée du grand handicap de Deauville la semaine dernière. Donc, une très bonne ligne. Il est pris à une valeur qui me semble assez intéressante. Il est en forme. Il a un bon numéro dans les stalles de départ. Je pense qu'on effectue le déplacement avec des ambitions. Et je pense qu'il faut s'en méfier tout particulièrement. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 2 là au sein. Je crois qu'on l'avait vu remporter un quintet en début de saison, en tout cas cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Depuis, il a connu des fortunes diverses dernièrement. C'était pas extraordinaire, 7e seulement de la course référence derrière notamment Lockman et Bazoc. Mais moi, je ne le condamne pas là-dessus. C'est un cheval qui est quand même pas si mal placé que cela pour son retour dans cette catégorie. Le terrain va lui convenir. Il est quand même assez souple, le terrain, avec les pluies qui sont tombées depuis plusieurs semaines, même si c'est vrai que le terrain a tendance à être un peu moins souple avec le temps. Mais quoi qu'il en soit, c'est un cheval qui sera confié à Christophe Soumillon. On effectue également le déplacement. J'aime bien son profil. Je trouve que pour son retour dans cette catégorie, il est capable de jouer un très bon rôle. En tout cas, moi, je l'ai retenu en troisième position. Ensuite, en quatrième position, je suis parti en bas de tableau avec le 15 Swiss Bank, un cheval qui vraiment est impressionnant depuis qu'il a été rallongé. C'est ce qui s'est passé les deux dernières fois. Il reste sur une troisième place derrière Dante. C'était pas mal. On effectue également le déplacement avec ce Swiss Bank et on fait appel à Mickaël Barzalona. C'est quand même un sacré gage de confiance. En plus, Mickaël Barzalona est en grande forme en ce moment. Il l'a prouvé du côté de Deauville ces derniers jours, notamment jeudi. En tout cas, un cheval en forme qui est bien placé dans les boîtes, qui effectue le déplacement, pour moi, ça sent bon. Et s'il répète ses deux dernières sorties, il ne devrait pas être loin du compte. En tout cas, il est capable de monter sur le podium, même si moi, j'ai retenu que quatrième. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4 Bémer. J'ai un petit peu de mal à le situer exactement, mais sa rentrée était excellente. Il a terminé deuxième. Alors certes, c'était une course pour Cavalière. Maintenant, il est pris en valeur 40. L'année dernière, il a fait l'arrivée de handicap sur ce parcours en 41. Donc vraiment, il a l'aptitude au parcours, il a une valeur avantageuse, il vient d'afficher une belle rentrée. Pour moi, pas mal d'atouts dans son jeu. S'il n'est pas atteint par le syndrome de la fameuse deuxième course, je pense qu'il est capable de surprendre. Parce que je pense pas qu'il y aura forcément une cote très basse. Et c'est vrai que sur la foi de ce qu'il a montré et sur sa tentative de réapparition, à mon sens, c'est un cheval qui est capable de bien faire à ce niveau-là pour son retour dans cette catégorie. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 10 Panjaman. Je suis un petit peu dans le flou avec lui. J'avoue qu'il m'a un petit peu déçu la dernière fois alors que j'y comptais. Je crois qu'il a été déclaré non partant il n'y a pas longtemps à cause du terrain. Quoi qu'il en soit, c'est un cheval qui a déjà bien fait dans ses catégories. D'ailleurs, il a déjà remporté un quintet l'an passé au printemps. Il est retombé à une valeur qui, en théorie, lui laisse vraiment pas mal de marge.
Maintenant, voilà, c'est une question d'impression. Moi, je pense qu'il est capable de refaire surface. J'ai retenu, seulement 7e parce que j'ai également 6e, pardon, parce que j'ai également besoin d'être un peu rassuré. Mais en théorie, il a une belle chance théorique. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 16, North Hunter. Bah, écoutez, il vient de très bien courir, hein, North Hunter. Voilà, c'était ici, 3e place dans le prix du Châteauneuf. C'était un cheval qui a surtout couru à réclamer, hein, qui s'est montré régulier dans cette catégorie. Et bon, pour son retour dans cette catégorie, ou en tout cas pour sa tentative dans les quintés, 3e derrière Agile et Flatten the Curve. Il battait Centurin notamment, ou encore Thunder Speed. Vraiment, les lignes étaient bonnes. Hein. Regardez, il avait couru d'autres, une classe 3, je crois, voilà, à réclamer. On l'a vu courir à réclamer, ce cheval-là. Mais bon, visiblement, ça lui a redonné du moral. Il est capable de faire beaucoup mieux que les réclamés. Et puis en bas de tableau, bah, c'est pas mal au niveau du poids. Donc pourquoi pas. Moi, je l'ai retenu en 7e position. En tout cas, voilà, s'il réappelle sa dernière sortie, il a le droit de figurer à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 5, Shan Kir, qui a deux courses dans les jambes. On l'a vu la saison dernière, il a remporté deux handicaps, dont un quintet à une valeur qui était certes un peu plus, un peu moins élevé, pardon. Il était, je crois, en 38,5, là, il est en 40. Faut voir ce que ça donne. Honnêtement, il avait très bien gagné son quintet. Je pense qu'il vaut mieux qu'un 38 ou un 38,5. Et c'est vrai qu'en valeur, je pense qu'il est capable de bien faire maintenant. Deux courses dans les jambes. Faut voir dans quel état de forme il est exactement. Mais je m'en méfie. Le tandem Mickaël Dexangue et Gérald Mossé, ça a toujours bien fait. Et du coup, voilà, je l'ai retenu en 8e position uniquement. Mais attention, c'est un concurrent qui est capable de surprendre. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 12, Grand Balcon, un cheval qui est ultra régulier. Il vient de terminer 4e de quintet maintenant. Il a terminé 4e, je crois que c'était une course, le prix de Sussex, où il y avait eu la moitié des concurrents qui étaient non partants à peu près. Donc, il devait y avoir 8 ou 9 partants maximum. 4e, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Bon, voilà, c'est un cheval qui est régulier, qui fait toutes ses courses, qui est au milieu du paquet au niveau du numéro dans les stalles. Pourquoi pas? Moi, ce serait un regret de ma part, mais s'il venait à finir 4-5e, il n'y aurait pas forcément à crier au scandale. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7, Dante, que j'ai retenu en tête, devant le 6, Lockman, le numéro 2, Laos, ensuite en 4e position, le 15, Swiss Bank, devant le numéro 4, Bémer, en 6e position, le numéro 10, Pandjaman, ensuite le 16, North Hunter, en 7e position, devant le 5, Shankir, en cas de non partant, le numéro 12, Grand Balcon, ce qui nous donne en chiffre le 7, le 6, le 2, le 15, le 4, le 10, le 16 et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 12, Grand Balcon. En conseil de jeu, bah écoutez, pour moi, le 7, Dante, vu la dernière sortie, il est capable de lutter pour la victoire, en théorie. Donc, moi, je le retiens très haut et j'y crois. Le 6, Lockman, très bon élément. J'ai l'impression que pour son premier handicap, il est capable de frapper fort. Attention à lui, Jérôme Régnier, c'est vraiment un homme très habile. Et puis le numéro 2, Laos, qui effectue le déplacement, qui revient également dans cette catégorie avec des ambitions, surtout qu'on fait appel à Christophe Soumillon. Attention à lui, j'aime beaucoup. 7, 6 et 2, mes 3 préférés dans cette compétition. Un petit tour du quintet d'Anguin avec le numéro 2 Indy de Gire, hein, qui s'impose un petit peu à la surprise, hein, à 17 contre 1. Je l'aimais beaucoup, il m'a vraiment beaucoup surpris. Je pensais qu'il était capable de très bien faire, mais le style de sa victoire, franchement, en appelle sans doute d'autres. Le numéro 12 Ipalio, très bonne fin de course. Le 15 Ilaya, qui une nouvelle fois répond présent. L'As, Ideal Dancer, 4e, très belle fin de course devant le 4 Infiniment Citron, qui a un petit peu manqué pour finir. Peut-être qu'il avait couru un peu trop rapproché. En tout cas, il complète l'arrivée de ce quintet qui est indiqué. Par Turf Sélection, un tiers écarté et quinté à plus de 260€ avec les bonus. Très belle performance. Le tiers du côté de Top Prono, quelques coups de cœur, quelques trios. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quinté. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner ou encore à laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, bien entendu. Ce sera une nouvelle fois du côté de Deauville. La jeune génération à l'honneur, je crois. Ce seront des 3 ans qui seront en piste. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.